Bon ben voilà, ça c'est toutes les pièces que je vais greffer sur mon bloc moteur, sur celui-ci, ici présent. Voilà, je vais commencer à nettoyer, tout refrotter comme il faut pour placer glace d'origine, cylindre motoforce aluminium, diamètre 39,8, c'est-à-dire 49 cm3, un carbu 17,5 de l'Orto avec la pipe d'admission Conti, nouveau filtre. Boîte à clapet Doppler, roulement Malossi, nouveau plan de joint Conti, embrayage Malossi MHR, mais avec les réglages de base, un petit vario Pollini qui a plus de 20 000 km, mais il fera bien l'affaire, une joue d'origine et une poulie d'origine avec un ressort d'origine. Mais bon, je vais changer l'embrayage parce que là c'est un embrayage d'origine qui a quelques milliers de kilomètres. Mais bon, de toute façon celui-là je change et je remets par le Malossi MHR. Et une petite courroie ici, Malossi X-Kevlar ou une Blend, je sais pas, je verrai bien. Comme j'ai les deux modèles, on verra. Là, je vais tout remonter, tout refaire comme il faut à la pâte à joint, tout étanchéifier et on verra la suite. Allez, suite à la prochaine vidéo. De toute façon, vous verrez la prochaine vidéo, le moteur sera remonté. Et si tout va bien, peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps, ou demain, je placerai le moteur sur le Dudix Red Zone Orange, qui avait le gros moteur qui allait fort, mais bon, c'est trop dangereux pour la police, il va trop fort. Et je crois que je me mettrai peut-être même à vendre par après, sur un site, on verra quoi. Ou si pas, je le garde pour pièce, mais bon, je crois pas que je roulerai avec cette config-là. Allez, suite à la prochaine vidéo.